Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un accroche-clé ou un porte-clé, je ne sais pas comment vous appelez ça, à partir d'une simple planche de palette. Donc c'est parti. Donc j'ai décidé de le faire en forme de clé. C'est comme ça, c'était un peu original. Donc pour ça, je vais dessiner une clé dessus et je vais la découper avec la scie sauteuse. Pour ça, je prends comme modèle une clé et je reproduis ce modèle sur le bois. Voilà, la clé est à peu près dessinée. Maintenant, je vais la découper. Voilà, l'accroche-clé en forme de clé est coupé. Maintenant, je vais le poncer un peu et on se retrouve après. Voilà, c'est fait, le petit coup de ponçage est passé. Maintenant, on va lui accrocher quelques clous pour suspendre les clés dessus. Alors, deux petites choses, vous le faites de la taille que vous voulez, selon votre foyer, et vous mettez aussi le nombre de clous que vous voulez. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez bien sûr en mettre ici aussi. Bon, après, c'est selon vos besoins. Donc voilà, ça donnera ça une fois accroché chez vous. Il faudra plus qu'à lui mettre des petits systèmes d'accroche derrière. Bon, c'est facile à accrocher, c'est pas compliqué. C'est original et puis ça fait un petit truc que vous aurez fabriqué vous-même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.